coup, c'est pas de la formule à vie. Changement de programme. Alors, je vais peut-être en faire quand même, hein, la formule à vie, pas de panique. Mais je vais tester un peu de ovale aussi à Charlotte, sur le circuit ovale de Charlotte, donc avec les street stocks. C'est-à-dire que c'est un peu le Talladega finalement de la street stock, vu que tout se passe à fond. Je pars dixième, j'ai pas fait de qualif. Et c'est parti. On est 11. Hein. Ça va être rigolo. Alors comment ça se passe là pour les départs? C'est départ lancé forcément. On part des stands. Ah, d'accord, on part en travers et on va suivre le safety car. Très bien. Alors à savoir que là je suis rookie clairement. Je suis même pas classe D donc je vais essayer de monter classe D comme le rallycross j'ai pu faire. On va essayer de faire monter ça. Et on se retrouve sur au moment du get ready comme en Mazda. Allez, à tout de suite. Get ready. Il n'y a que 20 tours, donc ça va durer 12 minutes à peu près, j'ai calculé. Allez, faut accélérer maintenant. C'est parti. Donc évidemment, on va essayer de rester en dehors des soucis. Plus facile à dire qu'à faire. La clé, ça va être l'aspiration, hein, sur cette course. Oh, la quatrième, elle est longue. Donc vous voyez là, ça se passe à fond, y a rien à faire. Donc là, le désavantage de la manette, il est quasiment inexistant finalement. C'est aussi pour ça que je vais faire ces courses-là, pour me battre à peu près à armes égales. Oula, au devant. Faut être doux hein, dans les virages quand même, mine de rien. Derrière, ils sont largués de chez largués. Par contre, j'ai l'impression quand même que les qualifs vont être importantes, mine de rien. Sinon, t'es coincé dans le draft en fait. C'est problématique. Il n'y a pas de drapeau jaune hein, du coup. C'est d'une traite. Ça c'est bien aussi. Ça saoulerait qu'il y ait des drapeaux jaunes hein, tout le temps. Hein. Flemme. Hein. Allez, faut revenir sur les mecs devant les gars là. Alors c'est pas ma première course de street stock pour le coup. J'en ai déjà fait l'année dernière. J'en avais fait 3. J'avais fait un podium à une course, mais bon, c'était pas globalement pas terrible. Putain, ça glisse hein, quand même. Hein. Allez, on remonte bien là, c'est pas mal. Là. Putain. Oh mon dieu, comment je l'ai sauvé là? Ça devait être limite hein, quand même. Hein. Ça glisse en hein, devant. Hein. Il a touché le mur, qu'est-ce qu'il fout devant? Putain, les trois premiers se sont envolés quoi. Je crois que là. Aucun crash pour l'instant, c'est assez étonnant. Par contre, il y a un paquet d'Australiens sur cette course. Il y en a 6, j'ai vu, je crois, la moitié des Australiens, quoi. Allez, ça dégage. Quatrième. Oh, devant! Bon, lui, il va perdre la spi. Dans le mur, il fout de quoi? Je vais où là? Allez, on passe premier.
Oh putain. Oh putain, elle est belle celle-là. On passe premier, les gars. Incroyable. Bon, maintenant, il va falloir garder la première place. C'est pas gagné. Il pousse l'autre derrière, là. Il va falloir défendre comme un sourd. Putain, on est même pas à la mi-course, ça va être long. Hein. Ça va être très très long. Je sais pas comment ça va se finir en vrai. Je suis obligé de mettre des tout petits coups de joystick, c'est pas agréable hein, quand même à conduire. Mais bon, ça a pas l'air d'influer sur les perfs, ça va. Par contre, derrière, ça va klaxonner au bout d'un moment. Je crains le pire là. Mais au final, même pas besoin de faire les qualifs, vous avez vu comment j'ai remonté là? C'est beau. Hein. Oh, derrière, oh. Pas de drapeau jaune, non. Normalement, c'est d'une traite, hein. C'est une course à élimination, donc voilà. Pas de jaune. Putain, on est même pas à mi-course, c'est long quand même. Ça va faire un quart d'heure en fait la course. Je pensais que c'était plus court que ça quand même. Ils abusent à mettre 20 tours aussi là. Bon, Yanis va me poser problème, je pense, honnêtement. Je vais le foutre dans le mur hein, si c'est ça. Hein. Et le délire là. Ça va être long cette course. De toute façon, je vais le bloquer jusqu'à la fin. Je vais tout faire pour le bloquer. Il est absolument hors de question qu'il passe devant. Je vais rester en tête jusqu'à la fin là. C'est l'objectif. Derrière, ils sont un peu loin. En fait, quand t'es en tête, ça paraît tellement long. Même si les tours sont en 37 secondes, hein, finalement c'est assez vite, mais. Ah, ils auraient mis 15 tours, ça aurait été mieux quand même. Ça aurait fait à peu près la durée du rallycross, quoi. J'avoue que là, quand même, j'ai plus l'habitude de courses si longues, moi. Là, on est équivalent aux Formule V, voire même un peu plus long, peut-être. 2 secondes d'avance derrière. Lui, il va essayer de me bumper en virage, je pense. Pour me déséquilibrer. Il va me faire un coup de pute, c'est sûr, lui, de toute façon. Je m'y attends. Off-track. Pardon. Il y a des off-track, là, vraiment. C'est trop. Il est vraiment collé là. Ça va être problématique. Hein.
Je sais même pas si c'est un français, j'ai pas regardé. Je crois qu'il n'y a pas de français à part moi. Mais Yanis, ça paraît un peu français comme prénom, donc il faudrait que je vois. Enfin, ça se trouve, c'est deux français qui se battent, quoi, pour la victoire. Bon, derrière, ils sont loin, ça c'est le positif. Tour. De toute façon, j'ai qu'à bloquer l'intérieur. Normalement, ça devrait faire, mais à moins qu'il dépasse dans l'aperon, je sais pas ce qu'il pourrait faire, mais ça serait abusé de faire ça. Après, moi, je l'aurais fait, je pense. De dépasser comme ça à gauche là. Je sais pas s'il va tenter, il va oser. Oh la poussette! Ça va bien? Tranquille! Commence à s'impatienter, Yanis. Oula! Pas eu de vitesse là. Qu'est-ce que ça aurait été mieux que je sois tout seul là? Ça va mal finir, on le sait, hein. Pour lui ou pour moi? Ça, c'est la question. Oh que c'est long, deux tours encore. Par contre, je me rends compte qu'il n'y a pas énormément d'aspi en fait. Je m'attendais à plus, pour être honnête, mais il n'y en a pas tant que ça, hein. Donc là, il va falloir résister encore à ces assauts. Ce qui va pas être une mince affaire. Il va sûrement me pousser dans le mur, dans le virage. Je m'y attends. Regardez comme il pousse déjà là. Putain l'enfoiré. C'est un malade ce mec hein. Je sais pas comment j'arrive à la garder sur la piste la voiture. Putain. Allez petite street stock s'il te plaît. Je coupe son aspi. Comme je peux. Je pense que c'est gagné là. Ça va gagner les gars. Ça va gagner pour la première course de la reprise en street stock. Yes! Putain, elle est belle celle-là. Hein. Ouh! Quel fils de pute. T'es un gros con toi, hein, dans ton genre. Hein. Je sais pas si c'est un français en vrai. Ah là là là. Iberia, c'est en espagnol. Don't kill the space. Non mais attendez. Tu crois que je vais te laisser de l'espace toi? Je vois faster than you. J'étais plus rapide que toi, tu aurais dû me laisser passer. Yanis, on va se revoir toi et moi de toute façon.
Il va finir dans le mur, lui. Hein. Allez, next race, Yanis. Je t'ai niqué, je m'en fous. Allez. On va passer au résultat. T'étais plus rapide que moi? Bah évidemment que t'étais plus rapide, t'avais l'aspi, espèce de con. Ils me font trop rire, les mecs, sérieux. C'est vraiment des blaireaux, quoi. J'ai rien à foutre, hein. J'ai conduit comme j'ai conduit, c'est de la NASCAR. Hein. Enfin, c'est de l'ovale, quoi, donc... Chez Yanis. En plus, il me dit que je suis sale, regardez. 1,78. On a vu mieux, hein, niveau propreté, quand même. Hein. Niveau safety rating. Hein. Donc, je partais 10e, je finis premier. Yes. C'est ce que j'appelle une belle reprise. Alors, Charlotte... Bah, je vais mettre ça dans... Ouais, Charlotte Oval. Ouais, je vais mettre ça là, allez. Charlotte Oval, hop. Alors, j'ai mis les qualifs aussi, du coup. J'ai débloqué les qualifs. Entre guillemets, débloqué. Et donc, une victoire. Tac. Ah, j'avais oublié de mettre à jour la dernière course là. Hop. Nickel, là on est bien. Il faut que je mette la victoire. Charlotte Oval. Hop. Non, pas premier. 1. Voilà. C'est mieux. Bon, bah, on entame bien cette nouvelle série de Street Stock là. C'est cool. Pourtant, en 10e, c'était pas gagné quand même. Allez, à plus.